Grande révolution pour moi, je viens de me faire ma première mémoire adressable en binaire. C'est une mémoire à 5 octets et regardez ce que je viens d'arriver à stocker dedans. Ici s'affiche le numéro de la mémoire que je vais lire et ici s'affiche le contenu de la mémoire, ici en binaire et ici en hexadécimal. Et regardez, en appuyant sur le bouton lecture de chaque adresse mémoire, le message que j'ai réussi à vous faire passer. Ça, c'est le contenu de la première mémoire. Le contenu de la deuxième. Le contenu de la troisième. Le contenu de la quatrième. De la cinquième. Voilà, c'était le message que je voulais faire passer à tous les Troniques aventuriers. Et sinon, blague à part, je vais faire un tuto pour vous expliquer comment fonctionne une mémoire adressable dans ses grands principes, puisque là, c'est la première fois que je me fais un montage à mémoire adressable.